bonsoir, public de qualité. Est-ce qu'il y en a qui aiment les chats? Oui? Parfait. On va pouvoir s'échanger des recettes. Mais non. Non, c'est juste une blague. Je donne pas mes recettes. J'ai un ami qui a eu un gros accident. Il a pas tout perdu. Il a encore son sens de l'humour. Sur son mur Facebook, il a posté une photo de lui avant et après l'accident. Alors moi, j'ai reposté les deux photos, mais en encerclant les 7 erreurs. Ça va être comme ça tout le long. Est-ce qu'il y a juste moi qui a cette impression-là au restaurant? À chaque fois que le serveur nous dit « j'arrive », il s'en va. J'arrive, là. Pas de mon point de vue, non. Est-ce qu'il y en a qui ont des motos? Une moto? Oui? Bon, j'explique pour les quelques-uns qui n'ont pas compris. Quand deux motos se rencontrent sur la route, c'est un petit salut qui se font. Hey, t'as une moto? Moi aussi. T'imagines si on faisait ça en voiture? Moi, j'ai pas de moto. Je marche. L'autre jour, je marchais sur un trottoir parce que je trouve que c'est une bonne place pour marcher. J'arrive à un feu rouge et à toute vitesse, un camion de pompiers arrive. Les sirènes allumées. Oui! Bon, je viens pas d'ici. Oui! Et au même moment, dans l'autre sens, arrive une ambulance. Les sirènes allumées. Ils sont arrivés au feu en même temps. Ils savaient pas qui avait priorité. Ils sont restés coincés là. Fait que j'ai traversé. J'ai été chanceux, beaucoup moins chanceux. Ça se passe dans une station de métro. Il y a un mec, il attend son métro. Il fait un infarctus. Son cœur s'est arrêté de battre. Il a vacillé. Il est tombé dans le trou. Mais quand son corps a touché les rails. L'électricité dans les rails a refait battre son cœur. Et là, le train l'a frappé. Moi, je pense que la phrase « ne pas toucher » écrit en braille devrait toujours être suivie de « laisse tomber ». Est-ce qu'il y a juste moi qui a cette impression-là? À chaque fois que je vois un nain sortir d'une piscine, je me dis « ouh, l'eau doit être froide ».
quand on n'a pas compris quelque chose et qu'on demande à quelqu'un de répéter et qu'on veut être sûr de bien comprendre, on plisse les yeux. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Répète pour voir. Quoi? Fais-moi donc ça. Ça, on fait ça uniquement quand on sait exactement d'où le son vient. Quand on sait pas d'où qu'il vient, on fait le contraire. Hé, hey, t'as entendu le bruit? Non? Écoute. Je pense qu'il vient de là. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés chez le dentiste? Quelques-uns, parfait. Je suis allé chez le dentiste pour me faire faire une petite chirurgie mineure locale. C'est pas une science exacte, dentiste. Il prend une seringue et il me pique pour m'endormir la bouche. Il me dit « Sentez-vous encore quelque chose? » Ben, je dis « Ça picote? » Il dit « Parfait, on opère. » Quoi? Tu te fies sur moi? Alors, j'ai décidé de le tester. Il me pique. Il dit, sentez-vous encore quelque chose? Je dis, oui, je le sens. Je sens très bien. Je mets mes doigts, j'ai sang, là. Alors, il me repique. Il dit, sentez-vous encore quelque chose? Oui, c'est quand je tousse. Je sens très bien, là, je sens mes doigts, là, je sens. Il me repique. Il dit, sentez-vous encore quelque chose? C'est ici, c'est... Il me repique. J'ai glissé le long du banc. Il dit, sentez-vous. Le son s'est endormi. Mais je suis pas contre la science. Moi, je pense qu'un jour, on va vivre avec des robots. Moi, je pense qu'un jour, je vais être en couple avec un robot. Et un jour, je vais être dans mon salon avec mon robot et je vais lui dire « Siri, j'aimerais que tu me suces. Avez-vous dit, appelle Luce? » Non, j'ai dit, Siri, j'aimerais que tu me suces. D'accord, j'appelle Luce. Je vais être au milieu de mon salon, les pantalons aux genoux. Allô, Luce? C'est encore moi?